À l'espace Yves Robert. C'est vraiment là où tous les danseurs électro de France, du monde entier, se rencontrent. C'est une guerre, c'est une guerre. Clairement, c'est une guerre. La Colombie. L'Italie. La Russie. We are from Cali. And in Colombia, I remember. In 2013, when LRC started, I watched video and I always think, I want to be there. Plusieurs fois dans les événements All Style, l'électro a été rejeté. On voulait nous faire notre événement et inclure tout le monde. Danse électro, et c'est une danse française. Toute la genèse a été faite en boîte de nuit, dans les boîtes de nuit. Et donc du coup, c'est super important de toujours pouvoir représenter notre danse, voilà, malgré qu'elle s'exporte super bien dans d'autres pays, que le berceau reste le berceau. Ça se passe en battle. Alors comment ça se passe? Il y a deux crews qui vont de 4 à 10 en face à face. Chacun va à l'intérieur pendant une minute. Pendant cette minute-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent lancer une combi, ils lancent une combi. S'ils veulent partir en solo, ils passent en solo. S'ils veulent passer l'un après l'autre, ils passent l'un après l'autre. Ils gèrent leur temps comme ils veulent. Quand la danse électro a commencé dans les bois, c'était une danse vraiment de club, donc très funky. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'attire. Puis les chemins de bras, enfin toute cette gestuelle avec les bras. Toutes les personnes qui sont encore ici à l'heure d'aujourd'hui sont des personnes qui se sont battues pour faire vivre cette communauté, pour faire vivre cette culture. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est comme ça maintenant, parce qu'on a tous la même passion et on se connaît depuis, on a grandi ensemble. Quand on s'est connus, on avait tous 14, 15 ans. L'électro, c'est une famille, hein, que ce soit en France, en Italie, au Mexique, en Russie, c'est la famille électro, quoi.